J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes à la campagne et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, Paul? Des noisettes. Des noisettes. Elles sont bonnes, ces noisettes, ou pas? Oui. T'es sûr? Oui. Tu les as prises où? Montre-moi. Par terre. Par terre. Et sur l'arbre, il y en a d'autres, hein, je crois. On va voir sur l'arbre. Oui. D'accord. Attendez, j'ai encore une. J'en ai encore une. Vas-y, montre-moi l'arbre. Vas-y, je te suis. Donc, nous allons ramasser des noisettes. Ici, il y a un grand jardin. Oh, celui-ci, il y en a. Il y a un grand jardin et dans le jardin, il y a des noisetiers. D'accord? Ça, c'est un noisetier. Je vous montre. Alors, où sont les noisettes? Regardez, ici. Ici, il y a des noisettes. Tiens, prends le sac. Prends le sac, Paul, s'il te plaît. Voilà. Je vais prendre les noisettes. Ah, j'en ai. Ici j'en ai. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il faut prendre une échelle. Oh, j'ai un insecte qui est tombé sur moi. T'as vu l'insecte ici? Oui, je veux pas moi. Hop, il est parti. Voilà. Et donc, je ramasse les noisettes. Et ces noisettes, elles sont. Ici, il y en a une autre ici. Ici, il y en a une autre. Ici, il y en a une autre. Ce sont des noisettes fraîches. Donc elles sont très fraîches parce qu'elles sont très jeunes. Ce sont des noisettes jeunes. Et c'est meilleur que les noisettes que vous achetez dans le commerce. Les noisettes que vous achetez dans le commerce ne sont pas fraîches. Elles ont déjà 3 mois, 4 mois. Mais là, ce sont des noisettes fraîches. Elles sont très bonnes. Et comme on a beaucoup de noisetiers dans le jardin, il y a aussi beaucoup d'écureuils. Ici aussi, il y a des noisettes, hein, Paul, je crois. Ça, c'est un noisetier aussi ou pas? Peut-être. Je n'en vois pas. Ici, normalement. Mais les arbres sont vieux. Oui, c'est un noisetier, mais il n'a pas de noisettes. Vous voyez ici, là. Les vieilles noisettes. C'est une vieille noisette. Donc, on a beaucoup d'écureuils qui viennent dans le jardin parce qu'on a beaucoup de noisetiers. Ici, c'est un cerisier. Donc on a des cerises, mais c'est trop tard pour les cerises. Regarde, il y en a par terre, Paul. Regarde par terre. Oui. Ce sont des noisettes. Tu peux les ramasser? Mais c'est pas un. Oui, ça c'est un insecte qui s'appelle un gendarme. Vous voyez le petit insecte rouge? Avant, quand j'étais petit, il y en avait beaucoup, des centaines, des milliers, des gendarmes comme ça. Maintenant, il y en a pas beaucoup. C'est étonnant. Voilà. Là, il y a beaucoup, là. De noisettes, ouais. Bon, tiens, prends. Non, celui-là, on prend pas. Celui-ci, on prend pas, mais l'insecte, c'est pas grave. Tiens, moi, je le remets. Mais l'insecte, on peut pas le manger. Ah, c'est pas grave. Donc, voilà, ici, il y a des noisettes, je pense, sur cet arbre. Oui, il y a beaucoup de noisettes, vous voyez. Ici, il y a des noisettes. Tiens, voilà, deux noisettes. Mais c'est pas grave. Tiens. Tiens, tu le mets dans le... C'est la campagne, il y a des insectes à la campagne, voilà. Et quelque chose que j'aime beaucoup ici, hein, je viens ici depuis que je suis petit enfant, et ici nous sommes dans le centre de la France, donc en Indre-et-Loire. Le département, c'est le département de l'Indre-et-Loire. C'est bizarre ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est bizarre. Tiens. On a un bon repas. Oui, et donc dans le département de l'Indre-et-Loire, ce que j'aime beaucoup ici, c'est l'air. L'air est excellent. Vous savez, j'ai habité en Chine pendant des années, hein, pendant 13 ans, et pour moi c'était difficile parce que l'environnement en Chine est très pollué, même à la campagne. À la campagne c'est meilleur, mais même à la campagne, ce n'est pas très bien. Et quand, ici en France, à Paris, l'air n'est pas très bon, c'est pollué. Pas comme en Chine, mais ce n'est pas très bien. Mais ici, à la campagne, c'est incroyable, incroyable. Et maintenant, c'est moins bien, mais ça reste toujours vraiment incroyable. J'ai des amis étrangers, ils sont venus ici, des Allemands, des amis d'Allemagne, aussi un ami qui venait de Singapour. Et quand il est venu, il m'a dit « Oh, je n'ai jamais respiré de l'air comme ici. L'air ici est
est incroyable, l'air est magique, l'air est tellement frais, l'air est tellement bon. Et c'est vrai que l'air ici est excellent. Il y a aussi quelque chose ici qui est assez étonnant ici, le climat est émollient. C'est-à-dire ici, vous dormez très bien, vous dormez très très bien. Si vous avez des problèmes de sommeil, vous venez ici, vous allez dormir très bien. Le soir, vous allez dormir très tôt. Le matin, vous allez vous réveiller très tard. Et vous vous sentirez, oh, je suis fatigué. Le temps passe très vite. Ici, le temps ne va pas à la même vitesse. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai souvent pensé que c'est différent. Le temps ici est différent, complètement différent. Tu vois, Paul, les cerises. Ici, c'était des cerises. C'est un cerisier. Mais c'est trop tard, on ne les a pas mangées. Tu vois ? Pourquoi ? Bah parce qu'on n'était pas là. Et donc, les cerises, personne n'a mangé les cerises. T'as vu toutes ces cerises ? Elles étaient bonnes avant. Maintenant, elles sont pas bonnes. Pourquoi ? Ça sent la cerise séchée, hein. On peut les manger ? Non, elles sont trop vieilles. Pourquoi ? Parce qu'il fallait les manger avant. Hein. Maintenant, c'est comme des cerises. Attends, je vais goûter un peu une cerise séchée. Ouais. Tu peux manger, hein ? C'est bon ? C'est pas mal, hein ? C'est comme un... C'est comme, une... comme un fruit sec. Goûte. C'est bon, Bob. C'est un peu acide, quand même. Oui. C'est pas mal, hein ? Oui, on peut le prendre ou pas ? À côté de la noisette. Pas mal, hein. Et c'est avec, comme un fruit séché. Hein. Pas mal. Bon. Ah, pas toutes, hein. Juste celles qui sont. Celle-ci, tu peux la prendre. Pourquoi ? Elle n'est pas. Bon. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec une machine. Vous pouvez sécher les fruits. Et avec les noisettes, vous pouvez faire de l'huile de noisette. Si vous avez aussi une machine. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon, elle est pas bonne. Si, elle est bonne. Donne-la-moi. Bon, à bientôt, les amis. Au revoir.